Sutra, Bolingo, non, on a vu Nangamona. Alors que j'étais pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix. Nami Tunani ni la sala, naïbite, tu trouves tes raisons toi-même. Nazoko kate kubumba, te moyo et matina monte manangai. Yosika kira. Tata, je dis si tac, tu te choukakin à 15 cases. Ok. Soit au tiki de Massagawana, ok. Tu bandis un sac de sel, hein? Oui, un sac de sel. Un sac de riz à 50 kilos. Et ça dit ça. Un carton de poisson salé. Des torches chargeables. Achète examen final. Tu vas emballer pour tout le vidéo, pas pour l'un. Comment tu vas emballer? Aide de souvenir numéro 44. Pourquoi vous avez chinoisé? Pourquoi vous chinoisé? T'arrêtes-tu dans la race? Pourquoi le président américain va attaquer? Complet veste numéro 48. Oui, mon Dieu, nous sommes du merci pour le président, dans ma joie du pouvoir, à l'attaquant aussi. Malgré ce qui est mon aide, malgré mon tchèque chemise, la cravate, la chaussette, la complète qui a mon cas à ma maman, pourquoi la vie qui est une. Elle est voisine, elle est dans la vie. La bagisse qui a mon mari, mon tchèque qui m'a pas dit chemise, cravate, chaussette. Pour malade, la gamme complète. Voilà. Yes, super wax. Como pensa para muito pensa mamãe vai estar lá eu como mamãe vai levar o som mas eu ia dormir lá como vai vir vai dizer lá não sei o que ok um pacote de café pacote café cinq savons de coq. Non.
5 sabounga. Nunga na somba eka ka medical po na ebra nito. Na tia ba pa plan ba yoko si. Ezali. Toto shombe mususu wana mo kusekreke po ni ilo toye zolo mo na maladi mbago. Ouverture léopard. Wana ufo mfumu na mutala. Mususu wa chakamo la eba do ukufu. Namu. Tout le monde, 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 tout de cola. Et 3 sachets de citron. Patata manis. D'autres 900 francs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq. Mama. Zibula Zabika, Boulevard Nangaï, 1 dollar par casier. La Lekinan. Ok. Nazapoya, la Lekinan. Toyen à Bilo Babulia. Un sac de riz, 50 kilos. Boîte de lait Nido. Un sac de sel. Quatre poissons salés. Boîte de lait, il est. Il est, c'est ça. 6 pièces en valeur de wax, c'est là. 6 pièces. Thank you.
Sandale numéro 38. Fait de couture, 10 dollars. Pinga, yaba coco, 10 dollars. 20 euros. C'est 10. Oh, 20. Non, 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 20. Yamboy, papa. Tata, 15 casiers. Maman, 15 casiers. Ça fait 30 casiers. Ok. Ok. Sur les 30 casiers, moi, je suis un peu de tata et maman. Quand nous allons, nous sommes tous les avant la même. Pour nous, nous ça 15 casiers, il y a bière. Il y a 15 casiers, il y a sucré. Comme ça, nous sommes tous les comment nous sommes tous les ça va, non? C'est ça que nous avons attendu. Il y a on a mélangé par la top non, 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 ok. Les casiers. Oui. Bon, maintenant, si tu es top. Si tu es top, non, 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 oui, si chez vous, vous vendez si chez vous, est-ce que c'est vous dépôt, 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 vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Total ici, il y a. C'est 550 000. Voilà. Motona me mi hepa inayo, motemelingi.
naïe piazana ma faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais n'abouti est pas inaïe. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Na seigneur salaïe molou. Ici cabana qui cocoya. Et comme un point fond naïe. Ote meligie. Yé oyo. Ingondanga ipoyo nalota kyango nandoto losambo efuti pela yo yeoyo okombisilie oyo ata bambonge eoyo elamba yango yangoyo. Come on.
Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme.
Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Non, mais ma fille, mon amour à jamais. Depuis toujours, je t'ai voulu. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que... Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Non, pas dit gogate, depuis le ciel se scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, 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 t'aimer. T'aimer, t'aimer. My heart belongs to you. Longue est la mienne. Nathan Diwa. I love you, baby. Edine Zabie. Merkawou. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer. Awana se amoyi, olingwa solo pasi. Nazui mokano, nabaluke panayo, opime linga ite. Nakoya na pokwa, tango bato balali. Nakoka tapogi, pona yebisayo, ninyo zapontangaye. Esanga inguya, mbakisa maloba. Zembo ya boningo yonde omemite, na emba pona yo. Bide ya tango wanyoso, bide na maloba na yo. Bide
solo na bilaka papa kaka nengo lobi ndenge kosatema fidèle ya butu na moyi fidèle na ba principe na yo fidèle na amitié papa ozali moya tongo tala ndenge zopima. Ceux qui ne respectent pas le mariage, ceux qui ne conforment, Dieu jugera. Alors nous sommes avertis. Le mariage, c'est bon. Tu verras qu'il y aura un grand nombre de choses où tu seras à l'aise. Parce qu'une dame est à côté de toi, Dieu a fait la femme de façon spéciale. C'est une consolation plus que toute autre consolation. Ton père et ta mère peuvent te consoler dans des choses. C'est différent. Tu peux faire plus. Moi, je peux venir. Souvent, on fait des problèmes, on veut des droits, on veut dominer son mari. Aujourd'hui, les lois des hommes veulent faire que vous soyez en train de dominer le monde. Mais ce ne sont pas ces hommes qui vous ont créé. Le Créateur vous a donné une grande place. Prenons une seule chose. Rien que d'être né femme, le jour où Dieu a décidé que vous n'étiez pas. Dieu a décidé que toutes les vies qu'il mettra sur la terre, toutes les vies des humains qui viendront sur la terre, vous, vous allez participer. Tous les grands prophètes qui ont écrit ce qu'il y a dans cette Bible sont nés d'une femme. Une femme comme toi là. Là, quand tu n'étais pas encore en mesure de vivre seul. 9 mois. Ensuite, quand cet homme vient sur la terre, si vous l'abandonnez, prenez, vous le nourrissez de votre corps. C'est une portion de votre corps qui donne de la force. Il ne peut rien prendre d'autre. Il ne mange que ce que vous, de votre corps, vous lui donnez jusqu'à un certain âge. Un jour, ça devient un homme qui devient président de la République. Un jour, qui devient un prophète, qui devient ceci ou cela. Vous, les femmes, vous deviez considérer qu'être née femme est un privilège que Dieu vous a donné, un honneur qu'il vous a fait depuis votre naissance. Mais vous, sa manière, on se comporte. Ce corps sacré, ces vases sacrés, on en fait une poubelle. N'importe quel malpropre va courir avec lui. Les filles vous répondraient. Vous devriez normalement aller jusqu'à votre mariage vierge, ayant respecté ce que Dieu a fait. Quand une femme vierge pousse son mari et vit avec elle, avec ce mari, c'est une bénédiction. Amen. Une grande. Il y a même un grand pouvoir. Combien de femmes vont répondre? Rien que par exemple dans notre quartier. Ces vases sacrés pour donner la vie a été utilisé n'importe comment parce qu'on n'écoute pas Dieu. L'argent, des choses comme ça sont sur votre chemin si vous demeurez dans la parole de Dieu. Vous n'aurez même pas demandé à Dieu ça. Dieu vous honorera parce que vous avez honoré sa parole. Mais quand vous comportez n'importe comment, ça devient le problème. Alors celles qui sont déjà dans le mariage, honorez le mariage. Gardez votre lit conjugal exempt des souillures, des saletés morales. Quand vous êtes marié, vous avez accompli la volonté originelle de Dieu. C'est une bénédiction. Gardez cette bénédiction. Arrêtez à cela pour passer à la cérémonie proprement dite pour que je vais lire ici dans Éphésiens chapitre 5. En commençant par le verset 22. J'y reste, prêtez l'oreille. Ça commence par la femme. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mari, en toutes choses, les plus âgés qui êtes ici, qui êtes mariés, posez-vous cette question. Voilà ce que la parole de Dieu vous dit. Voilà ce que l'ingénieur en chef qui a conçu que vous soyez femme et qui a conçu que vous soyez dans le mariage. Vous, femmes, vous êtes comme le corps et le mari est la tête. Le chef, le terme chef signifie tête.
S'il y en a qui connaissent une sorte de chapeau que les blancs portent, on appelle ça couvre-chef, couvre-tête, couvre-chef, chef, c'est la tête. Alors vous êtes comme le corps, et votre mari est comme votre tête. Mais la majeure partie d'entre vous, vous êtes devenus des têtes. Vous êtes des monstres. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas des personnes normales. Vous êtes des monstres parce que vous avez créé une autre tête. Quand les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Maintenant, le mari. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La sanctifiez par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ s'est livré pour sa femme, pour son Église. Et vous, maris, vous devez aimer vos femmes. Et 28 ici dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Juste une petite chose. J'entends beaucoup de gens dire, bon, on a une ex-épouse, mais on n'a pas un ex-papa, on n'a pas un une ex-maman ou un ex-oncle, tout ça. Et quand papa, maman ou l'oncle viendront pour déranger votre épouse, vous allez la livrer. Si vous avez de telles conceptions. La parole de Dieu vous dit que ce n'est pas comme ça. C'est vous qui devez la protéger, comme Christ vous a protégé devant Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ est allé à la mort, à ta place, que tout homme doit aimer sa femme. Vous qui êtes déjà mariés, si ce n'est pas le cas, revoyez les serviteurs de Dieu qu'ils vous recadrent. Peut-être vos bénédictions, votre vie, les enfants, ça ne va pas bien à cause de votre position. Parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. C'est un grand mystère. Voilà ce que Paul dit. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quand on respecte son mari, on ne pose pas un acte qui le scandalise. On ne prononce pas des paroles qui le scandalisent. On ne la baisse pas devant les autres, qu'il ait commis une faute ou non. On le respecte. Le respect, on peut même respecter un ennemi. Votre mari, voilà ce que Dieu vous demande. Soyez soumise à lui, qu'il soit la tête, que vous soyez le corps. Qu'il soit le chef, qu'il soit la locomotive et que vous soyez la rame que la locomotive tire. C'est qu'alors, vous n'êtes pas. Peut-être l'autre, peut-être maman n'est ne l'aimez pas maintenant. Vous savez que ce que nous vous avons enseigné. Vous n'avez pas choisi cette femme simplement parce que le diable comme un être là. Le diable est un séducteur. Il est dans la beauté. Et dans sa beauté, il vous fait aller en dehors de la volonté de Dieu. Alors que la mort était liée à ça. La femme s'est laissée séduire par le serpent. Aujourd'hui, voilà les résultats. La mort, les guerres, les troubles, parce qu'elle a été séduite. Le diable n'est pas comme cela. Mais nous savons que tu n'es pas allé, si tu as respecté la parole de Dieu, tu n'es pas allé vers elle à cause de la beauté physique. Cette beauté peut changer. Tu es attaché à ce corps, tu termines le malaise. Tu l'aimes comme avant. Tu vis avec elle. Respectez-le en toutes choses. Soyez soumis en toutes choses. Donc, le mariage est quelque chose d'honorable, c'est une institution de Dieu. Référez-vous à Dieu quand il s'agira de vous marier et de vivre comme mari et femme. Paul répète cela dans 1 Corinthiens. C'est que nous vous déclarons par la parole du Seigneur que l'homme ne répudie point sa femme et que la femme ne se sépare point de son mari. Toute la Bible dit la même chose. Maintenant que vous allez être mariés,
ce piège-là sera aussi devant vous si vous ne faites pas attention, parce que le diable peut venir là. Non, cette femme, elle a fait ceci, elle a dit ceci, elle a méprisé mon père, elle a méprisé ma mère, elle a dit ceci, elle a dit cela. C'est le diable. Pourquoi? Pour vous amener à déroger à cette parole de toi, sœur. Non, j'ai vu qu'il regardait cette fille-là, j'ai vu que là où il travaille, il y a une fille qui est venue. Et puis, on tambourine. Non, tu... Et tu seras béni. Tu le respectes et tu seras béni. Écrit cette parole aura affaire à vous, celui qui a dit j'ai fait la révélation. Je pense que tout le monde a bien suivi cela. Il y a beaucoup de choses que l'on peut dire, mais nous n'en avons pas le temps. Maintenant, nous allons passer maintenant à la cérémonie proprement dite. Et devant cette audience, pour unir dans le saint lien de mariage un homme et une femme. Et la première chose que nous voudrions que chacun sache, c'est que tout couple qui n'est pas uni selon ce que dit la parole de Dieu, ce mariage-là est illégal. Car le mariage, institution de Dieu, doit être honoré de tous, comme saint Paul l'ordonne, devrait s'engager dans le mariage à la légère. Ni avec imprudence, ni avec légèreté. Mais il devrait y entrer avec révérence, avec discrétion, avec prudence et dans la crainte de Dieu. Et avec sobriété. Chose importante, les gens croient que le mariage, c'est quand on fait la fête. On s'habille de façon extravagante. Personne ne devrait entrer dans le mariage de cette façon-là, mais avec sobriété, prudence, révérence et dans la crainte de Dieu. Alors, de cette jeune dame, Jiresse Pemba, pour qu'elle devienne l'épouse de notre frère Gaylor Mavoumou, ici présent. Qu'il y ait de la famille de la femme qui peut s'élever et dire: moi, je suis responsable pour donner cette femme en mariage à M. Mavoumou. Père de la grande famille Binga. Alors, j'ordonne et j'envoie les engagements solennels devant pour mettre ma fille en fonction de M. Gaylor. C'est ainsi, je leur dis et déterminé que Dieu leur bénisse pour vous les entrailles de cette famille comme. Merci papa. Nous sommes chrétiens. Nous avons lu ici que le mariage doit être honoré de tous. J'aimerais vous poser la question. Comme Africains, nous avons l'habitude de donner des cadeaux de présents partant de la famille de l'homme vers la famille de la femme. Ce que nous appelons la dot. J'aimerais ici devant tous que vous puissiez nous témoigner. Est-ce que ce jeune homme ainsi que sa famille ont accompli cela dans votre famille? Et il n'y a aucune dette, aucun doute. Ok. Et vous connaissez vous-même le garçon ici présent, Gaylor. Oh, merci. Ok, maintenant, voilà papa. Venez prendre votre fille par la main. Donc elle doit devenir l'épouse. Ok, merci. Merci papa. Maintenant, vous avez... ça, jusque dans l'éternité. Merci. Et du côté de notre frère Gaylor Mavoumou, puis-je demander qui est responsable et qui peut nous témoigner au sujet
du mariage de Gelo avec Jérès Bemba. Vous ne pouvez pas être ici et qu'il y a parmi vous deux l'un et le frère, la maman de notre frère et représente cette famille-là. Et l'autre est du côté du papa de Gelo, c'est ça? Qui est du côté du papa? Ah, c'est vous. Ok. La première question, je la poserai à vous. Connaissez-vous votre fils? Épouse de votre fils. Ok, devant tous, pouvez-vous témoigner que vous êtes d'accord que cette femme devienne l'épouse de votre fils? Je suis très d'accord qu'elle soit l'épouse de mon fils. Applaudissons le papa. Je crois que tout le monde a entendu. Moi, ma voix, je suis habitué à parler, elle va peut-être un peu plus loin. Il a dit qu'il n'est pas seulement d'accord, mais il est très d'accord. Ok. Et vous les avez donnés et tout. Ok. Du côté de maman aussi. Voici votre fils. Vous connaissez cette jeune dame? Je la connais. Et vous savez qu'ici, elle va devenir l'épouse de votre fils. Très bien. Êtes-vous d'accord? Et quand on vous pose la question, lui, quand il a répondu, et toute la lignée, donc vous répondez au nom de tous ces gens. Êtes-vous d'accord qu'elle devienne la femme de votre fils? Tout ce qui avait été demandé, tout ça, vous étiez d'accord, vous avez donné dans la fille. Donc les témoignages du papa de la fille est un témoignage vrai. Oui. Ok, applaudissons pour eux. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Et à vous et à la famille de la sœur, comme ça, un voyou est allé jouer avec, l'a engrossé, les parents ne sont pas au courant, on les voit la grossesse. Et la fille meurt, on perd une personne. Et on a beaucoup de parents irresponsables qui n'élèvent pas leurs enfants pour les amener à une chose comme ça. Et vous, et du côté de l'homme, félicitations à tout le monde. Et je crois, il y a un... Veuillez vous lever aussi. Je crois que vous n'avez pas accepté une aventure. Vous connaissez et la famille de l'homme, et la famille de la femme, et l'homme lui-même et la femme, et que vous avez accepté de leur faire bénéficier de votre expérience, vous qui êtes mariés avant tout. Alors pour ça, je demande à tout le monde que nous les applaudissions aussi. Ok. Ça signifiera que vous supporterez aussi beaucoup de choses. Des fois, ils feront des choses que vous n'aimerez pas. Quand ils vous parleront, vous direz, mais quel genre de personne? Souvenez-vous en ce moment-là que vous prenez en partie le rôle de Dieu. Et Dieu vous bénira pour ça. Et que vous leur conseillerez de rester ensemble comme vous aussi. Parce que je suis marié moi-même aussi. Et depuis plusieurs années. Ce n'est pas toujours. Il y aura tous des moments où je pourrai vous appeler en dehors de Dieu. Mon frère, comment vous avez vu ces comportements comme ça? Position pour qu'ils avancent. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, maintenant, veuillez vous asseoir, je vous prie. Alors, parlez de cela maintenant. Et c'est quoi une cause qui peut faire qu'il ne se marie pas? Vous savez par exemple que la jeune sœur ici était déjà mariée à quelqu'un d'autre, et vous, vous connaissez l'histoire, et qu'elle vient maintenant pour être unie à cet homme. Si vous connaissez une chose pareille, dites-le, pour que les deux ne soient pas dans les difficultés avec Dieu. Venez pour être unis. Regardez dans ma direction ici, on se parle parce que c'est une chose qui est vraiment solennelle. Je vais vous sommer et vous responsabiliser tous les deux. Parce que certainement vous répondrez de cela au jour du jugement. Quand les secrets des cœurs seront dévoilés des parents. Si l'un de vous deux connaît quelque chose, une cause qui peut faire que votre mariage ne soit pas légitime, dites-le maintenant. Afin que vous soyez rendu témoignage que tout couple uni, autrement qu'en leur donnant la parole de Dieu, ce mariage est illégitime.
et vous répondrez de cela devant nous. Solennellement maintenant, s'il y a quoi que ce soit, on va demander à nos frères et sœurs, vous deux, vous arrangez la chose et nous revenons. Ne prenez pas le risque d'entrer dans le mariage, que l'on puisse invoquer le nom du Seigneur sur vous avec quelque chose qui rendrait vous. Sœur Jeunesse. Non. Ok. Maintenant, nous croyons que vous avez considéré de façon juste cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé pour y entrer avec révérence, discrétion et sagesse et dans la crainte de Dieu. Et croyant cela, donc comprenez bien, sur base de ce témoignage, les parents, vous, croyant cela, je vais vous proposer le pacte de mariage. Vous déclarerez la même chose aux questions que je vais vous poser. Et pour cela, tournez donc la façon dont on s'est salué en se tenant la main et posez, maman, aidez-nous à retirer légèrement le voile ici, sur son bras pour descendre. Merci. Ok. Maintenant, non, le visage ça va, il y aura un temps là. Vous leur ferez une bonne photo. Ils doivent avoir. Ok. J'espère que vous voyez la façon dont ces mains sont placées. J'ai toujours aimé le faire expressément de cette façon. La main de la femme est en dessous. La main de l'homme est au-dessus. Et les deux mains sont sur la vie. Voilà l'image de ce foyer tel que Dieu le conçoit. La femme, vous resterez toujours en dessous. L'homme sera toujours au-dessus, à la tête. Et le soubassement, le fondement de votre union sera la parole de Dieu. Les jours où vous briserez cela, si ça devient la femme au-dessus, l'homme en dessous, ou si ça devient, vous êtes là, l'homme au-dessus, la femme en dessous, mais il n'y a pas de soubassement de la vie, vous répondrez de ça devant Dieu. Les vœux que je vais vous proposer, vous le ferez avec vos mains comme cela, sur la parole éternelle de Dieu. Alors, tournons-nous vers notre frère Gelor Mavungu. Frère Gelor Mavungu, voulez-vous prendre cette femme pour qu'elle soit votre femme de mariage légitime, afin de vivre ensemble dans ce saint état de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir, dans les maladies comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, et promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Promettez-vous cela? Applaudissons pour cela. Sœur Jires Pemba, voulez-vous avoir cet homme comme votre mari de mariage légitime pour vivre ensemble dans ce saint rang de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir et de lui être soumise en toutes choses, dans les maladies comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans les malheurs, et promettez-vous d'abandonner tous les autres pour ne vous attacher qu'à lui seul aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Promettez-vous cela? Oui, amen. Amen. Applaudissons. Il fera et le mettra au doigt de l'homme. C'est son anneau que vous allez porter. Il est en train de le briser. Ce n'est pas ton anneau, c'est son anneau. N'est-ce pas? Maintenant, si elle fait ça parce que j'en connais qui font ça, elle jette. La colère peut faire faire ça. Toi, garde précieusement ce qu'elle a mis là devant Dieu. Elle ne veut jamais écocater. Mais ce n'est pas ce que les gens font. Donc voilà, d'ailleurs, pourquoi parle-moi, c'est une chose. Le Seigneur Dieu lui-même a dit
que l'homme ne répudie point sa femme, que la femme se sépare pas, il y ait du divorce. Il n'y a pas de divorce au commencement, il n'en était pas ainsi. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, commençons par le frère Elor. Prenez la note qui correspond. Je t'aime. Bon, maintenant que tout le monde reste calme parce que sa voix ne porte pas très loin. Pour que vous entendiez ce qu'il dit. Nous sommes témoins tous. Je t'aime et je t'aimerai. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Applaudissons. Ok, maintenant c'est le tour de la sœur. Si vous ne l'avez pas, le vœu qui a été donné suffit. Si vous... Bon travail. N'est-ce pas? Ah, on dirait qu'à ma droite, il n'y a que votre cœur, une prière, une bénédiction que vous souhaitez que le Seigneur leur... Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, toi, le Créateur, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Seigneur Jésus-Christ, tel est ton nom dans la rédemption. Je viens devant ta face avec ce couple, notre frère Gelor, Mabougou et notre sœur Jires Pemba. Seigneur, je viens avec eux devant toi comme ton serviteur. Et je viens invoquer ta bénédiction et ta consécration sur ce mariage. Ô Dieu, tu les as connus, tu les as conduits, tu les as poussés l'un vers l'autre pour qu'aujourd'hui ils soient unis. Qui engendreront aussi des enfants. Bénis-les physiquement, éloigne toute maladie de leur corps, afin qu'ils soient en bonne santé pour te glorifier. Bénis-les Seigneur, qu'ils puissent être spirituellement bénis, afin d'être attachés à toi et que dans tout voisinage où ils vivront, tous ceux qui vivront près d'eux puissent voir Christ et son épouse au travers de leur vie. Et que leur vie de mariage, dans le nom de Jésus-Christ, ce nom par lequel tu nous as dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous l'accorde. Ainsi accorde ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères Gelor et sœurs Jires, en vertu de l'autorité qui m'est confiée par la parole de Dieu et en vertu du ministère que le Seigneur m'a donné pour prêcher l'évangile, qui m'a été confirmé par un appel de Dieu, je vous déclare mari et femme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a des caméras là-bas. Des azote ne malembe. Hein? Relation à Bira Nanda, quoi, la caca douceur. Et là, comment se soutenir? Amen. Ok. Vous pouvez vous avancer. Maintenant, c'est votre mari. Comme nous t'avions demandé avant de commencer cette cérémonie, nous te bénissons parce que ça a été ta volonté. Tu as permis que cette cérémonie aille bien jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Maintenant, Seigneur, comme ton serviteur, j'ai prié que tu bénisses chacun de ceux qui sont venus, alors que nous t'avons demandé de bénir les deux qui se sont mariés. Accorde ta bénédiction, accorde ta grâce. Prends sous ta conduite. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Eh bien, maintenant, sœur, applaudissez.
Ok, le Seigneur vous bénit. Bon, maintenant, maman, vous pouvez déplacer un peu les choses qui sont derrière. Désormais, ce n'est plus Jires Pemba. C'est Jires Mavungu. Amen. Hein? Ah, là, ils sont en train de parler. Bonjour, sœur Mavungu. Congo est changé, Awa. D'accord. Ah. Donc, ce qui va être, même moi, je suis maman Mavungu, c'est vous. Sœur Mavungu, c'est vous. Ngai moi si ngai ezana lo sambo nazara ya mboka na ete. So ba moni ah bonjour c'est Simon. Simon ezanga. Bonjour c'est Simon. Ba mtsuba ibi ke c'est Simon. Ba benga iko mo mususu. Hein? Ah yo komi c'est Gelor ezayo. C'est Mavungu ezay. Hein frère. So ba zo benga Mavungu ko kanisa te keza moi si mususu moi si na. La femme prend le nom. Vous voulez aller vous tenir là-bas pour que nous vous tournez. Hein? Vous tenez son bois là pour qu'elle ne tombe pas. Maman! Ah, à cet endroit-là, je crois que c'est mieux. Elle est pas.
présent.